fatto di domande. Io non sono un esperto, non sono uno scienziato. Io ho studiato tanto, continuo a studiare tanto per cercare di fare delle buone domande. Perché è importante, magari con l'innocenza di un bambino, delle cose come no, cerchiamo di approfondire. Tanti. Io sono qui per parlarvi in questi pochi minuti di una mia esperienza professionale. Voi sapete, io ho un percorso legato proprio alle domande. Sono con te anche parlando di massoneria. Intanto vorrei dire subito una cosa. Io sono stato invitato qui oggi a mentale e l'apertura al futuro e a chiunque della massoneria. Italiana, ho parlato di massoneria europea, di massoneria mondiale e americana. Quando mi trovavo in paesi fuori dall'Italia, tutto era molto semplice, tutto era alla luce del sole. Sono entrato io, gli altri, addirittura c'era una sala chiusa con un cancello, ho detto: che sala è questa? Lì ci si riuniscono, raccontato, e chiuso quella puntata dicendo: così inarrivabile, perché è bastato chiedere per raccontare diversa dalla realtà mondiale internazionale. E quindi io sono rimasto piacevolmente colpito la massoneria in tutto il mondo. Mi trovavo a Washington e perché fare, ecco, vuole come la faccio da lui, è quello che è riuscito a prendere il tempo. Donc après avoir écouté Voltaire, c'est pas parce qu'il était important pour lui, un véritable jeu fait de questions et pas expérimenter beaucoup de choses, mes questions, et j'aime chercher très un enfant avec une certaine innocence. Il est un moment historique particulièrement important. Et donc je suis ici, on travaille tout un parcours lié aux questions. J'ai posé parfois des questions, j'ai même été cet après-midi, toute l'ouverture de la franc-maçon. Je trouve qu'en Italie, en dehors de l'Italie, arriver à New York, de voir un immeuble qui entrait, il y avait même, c'est la salle. Donc, très, pourquoi ils sont pas exactement. À Washington, entriamo, comme sempre, Omar compreso. Sono, sì, qui. Sei telecamere, perché una parte di questa serata mi piacerebbe. Dentro il Parlamento, dentro il Capitol, non ci credeva che vedo entrare in assoluto. E non siete americani. Che domanda mi fa, signora? Fa perché la cupola è di un artista italiano che è Parlamento americano. Questo è uno dei racconti che. Adesso cominciamo questa serata, prima però le faccio tradurre quest'ultima parte, così. Donna, j'étais avec ma troupe qui d'ailleurs est aussi caméra, parce qu'en fait, je voulais un récit que je voudrais faire sur le Parlement. Je n'arrive pas à y croire que je vois, et d'ailleurs la première était américaine. Nous avions demandé des fresques d'une peintre américaine et qui a été peinte par un artiste à symbologie de la franc-maçonnerie. Représentante de la plus grande troupe du Grand Orient de France. Luciano Romoli, muratore. Temps de la plus grande obéissance qui est le grand maître. Non si accomodi, io la ringrazio per questa discreta fatica e difficoltà di Luciano che con questa giornata, questa introduzione. Questa sera anche noi il Grande Orientale, il dottor Giacomo, Mensa Continentale, dati di vista di condivisione di valori nel mondo e porta avanti la libera curatoria. Quindi ha fatto l'onore di essere qui con noi. Grazie soprattutto al grand maître. Nous avons vu une obéissance de valeurs, parce que les valeurs sont pour l'Europe et pour le Grand Orient de France, nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Reggio, ci proviamo. Tanto noi l'accompagniamo con un applauso di sostegno. Non è potuto essere qui con noi.
Quindi a me il cuore della vostra partecipazione. Il fratello Antonio comunque sarà con noi. Bene partecipare oggi a questa sessione e distribuiremo alla FAWAR. Adesso io sullo schermo gigante per la traduzione, quindi potremo andare più spediti per. Andiamo. Bene, il titolo impegnativo che abbiamo dato a questo incontro e delle contraddizioni che l'Europa affronta in questo secolo. Di parlarne in Italia quei nostri fratelli francesi, storici della libera muratoria e soprattutto tutto oggi a parte politica vacillano, cambiano in maniera europea, sembrano crollare di fronte alla rinascita estrema. Tutto sembra dirci che l'Europa, per come l'abbiamo, compongono. Eppure, tutto ci dice che la stessa civiltà rischia di decadere e di venire sopraffatta. Vedete, fratelli carissimi e carissimi ospiti, ripeto, dalla polemica, eppure però, essi stessi, ma per il progresso, la prima ed essenziale domanda: chi è il massone del XXI secolo? Come esiste e come si qualifica rispetto al quadro che ho rapidamente tracciato? Troppo, anzi direi troppo spesso, anche nelle nostre fila si risponde con enfatico richiamo alla tradizione. E troppo spesso, sia pure un passato con la P maiuscola. Per i liberi muratori, rispettare la tradizione non vuol dire chiesti e operati dal tempo. Tre secoli fa, quei valori di libertà, amare e regolare la vita anche noi possiamo chi quella libertà cerchiamo invece di negare come un punto essenziale. Storico e sociale leggia la centralità. Riteniamo fermamente, consapevole e profondo, analogo, migliore, pure illusi, tutti nel cinismo e nell'indifferenza. E come recitano, senza sosta, persio ed innalzare. Siamo cittadini tra i cittadini, non diffondiamo, pure siamo, e ciò sia ben chiaro. E nel corso degli ultimi si sono diffuse culture e visioni che hanno dapprima posto a quello di socialità e all'individuo sconfitto dato altro che rifugiarsi nell'ignoranza vaga libero per il mondo si contrappongono tra certo ma come si ha riteniamo estensione è un salto di e si è storicamente fondata essere ammessi in massoneria rimangono validi e certi mondo inevitabile essere in prima umanità fanno chi chiede guardano i doveri quella che devi verso l'umanità se noi accettiamo la della massoneria occorre cambiarla possibile aggiungere situale essere votato senza unioni politiche non più solidale questioni sia del piuttosto della profonda umanità significazione di e anche segnalando a tutte le che la partata per giustizia lo ripeto ma è proprio per la forma per l'unità delle fate del corpo umano Harari Indei come un vero non si vede che la compresso della nostra e il suo rappresentante cari convenuti, quindi altro di definizione tolleranza, comunque merita gli amborsi dei cammini. Porta con nella risposta oggi potenza e potrei del gambetto massonica. L'utopia all'interno della sua i massoni l'importanza così importanti del come non pensare si finirebbe italiano per i liberi muratori non perdiamo di vista. Ora, cari tutti, buon viaggio. Grazie. Grazie, grazie.
continueremo il nostro dialogo. Allora, ha detto una cosa bellissima Luciano Romoli, un po' una cosa personale. Intanto volevo salutare chi ci sta seguendo tutti i posti in platea in galera, se volevamo salutare. Un gruppo di ingegneri di tutto il mondo, alcuni italiani, si sono risk da 100 mega era grande come una lavatrice. Adesso c'è già posti per far vedere la storia. Un ingegnere italiano si è imprese ma superare il gigabyte. E quel tempo presenti, erano una dozzina, si misero a ridere e però torno a casa con l'uomo era mio padre. Vous avez dit une très belle chose, vous avez d'aller au-delà et le siège un pays du monde et qui à l'époque un disque dur de la vaisselle. Aujourd'hui, il nous les offre parce que l'on met des exemples de ce très progrès qu'un ingénieur italien centralisé, mais au moins, à l'époque, penser à une peine de gigabytes. Ça avait l'air de tous miner, à rire et à pousser à rire. Et vous me demanderez peut-être pourquoi ils sont très en colère. Eh bien, je le sais, regardez vers l'avant. Comment vous raconte cette histoire? Allora, è arrivato un ospite importante che oggi abbiamo, Jean-Philippe Hubertin. Mes très chers frères, mesdames, messieurs, chers amis, présents ici, au nom de la grande politique, et c'est par la force ici, en Italie. Questa è la prefazione. Le mie orecchie di Francia, essere grande loggia d'Italia, complesso, una forza di Francia. La Frontex de Noli, qui s'est acquérant aux vicissitudes que nous lui connaissons aux Jeuniennes, c'est très rapidement. La France est un pays, et en effet la franc-maçonnerie, tout au long de l'on s'éloigner, intégreront rapidement l'aspect. Pourtant, dans la société politique, association surveillée est l'essentiel de à des adversaires redoutables. L'Église catholique cherche à... Elle prétend mettre fin aux libertés gallicanes qui avaient si bien protégé les francs-maçons français du 10. Les encycliques fulminant sans rélique sincère n'auront plus désormais d'autre choix si dans les loges ou protestants, juifs. Devant les bouleversements sans précédent, il devient difficile aux maçons en affirmant des principes de justice. Si on veut les étendre à l'ensemble de la société, s'il s'interdit aucun sentiment de trahir quoi que ce soit d'ailleurs, demander aux francs-maçons de répandre au dehors et les devoirs de l'humanité. Réflexion vivante, ouverte et pluraliste qu'elle modifiera la Constitution. L'affirmation selon laquelle la franc-maçonnerie sera remplacée de ses membres. N'interdisait rien, la liberté d'accueillir et de faire dialogue. C'est ainsi que la franc-maçonnerie française est une maçonnerie spiritualiste et libérale. L'heure de la franc-maçonnerie libérale m'a paru nécessaire. Cette histoire nous oblige. Option philosophique, religieuse, Bruno Étienne, tout cela est contingent. Car l'universalité de la France, engagée dans un espace-temps rituel qui abolit les références usuelles, le franc-maçon, porté par le lent traditionnel et mythique des valeurs, peut éprouver, illusion ou pas, qu'importe, des conceptions de la raison peuvent naître et se développer, les ont suscitées. Les loges sont des communautés en quête de vivre et perdurer. De la fureur du monde et a suffisamment indiversité d'agir vraiment sur le monde. Réalité profonde, le Grand Orient de France a su s'engager simultanément. La spiritualité pouvait et devait constituer une méthode, une voie qui permettrait. Certes, nul besoin d'être franc-maçon pour s'engager dans la cité, ce soit, mais plutôt une résultante assez naturelle à sa manière et à sa mesure. Les loges participeront à la vie de la cité, inspirant et accompagnant le public. Pour cette raison, et nous en sommes véritablement partie du patrimoine culturel. Par la domination, société dit la dévoir de savoir planétaire, comme dans la plupart des pratiques, qui se manifestent par la crise des pertes du commun.
toutes les décisions semblent échelles sur lesquelles il n'y aurait plus aucune prise. Le social se délie d'une anomie qui se de la longue phase historique ascendante qui a des maçons qui s'enferment dans leur temple autour de rituels surannés et d'un folklore décalé. Ont-ils vrai? La franc-maçonnerie est dépositaire d'une tradition dont elle entend assurer la transmission. Elle est sans doute la seule institution à transmettre le sens profond de ses symboles et de ses valeurs. Alors quels sont ses engagements? Cette recherche du vrai est un besoin vital pour l'homme, un besoin auquel il ne peut se soustraire. À un moment où notre monde sombre dans l'ère de la post-vérité, il est plus que jamais essentiel de rappeler qu'il n'est rien de plus important que de dire le vrai. Approcher cette vérité, lumière effrayée, astre en fuite, comme disait pas accomplir seul. Il faut apprendre à penser la contradiction, à penser contre, y compris contre soi-même, contre ses propres certitudes. Rechercher la vérité dans cette perspective, c'est aussi s'efforcer de devenir lucide, abolir les obstacles intérieurs, réaliser son unité intérieure et s'appliquer à la compréhension du sens. Ce sont les conditions essentielles d'une vraie ouverture à l'autre. C'est la dimension initiatique de l'expérience vécue en loge. L'homme que nos rituels ont vocation à libérer et à recentrer est toujours un homme inséré dans une relation solidaire. Pour exister, le franc-maçon doit être reconnu comme tel par ses frères, et de ce point de vue, les francs-maçons d'aujourd'hui ne sont pas différents de ceux d'hier, ce qui est central en relation. Porté par leur utopie de la fraternité universelle, l'humanisme des maçons, qui s'adresse à l'humanité tout entière, est fondamentalement universaliste. Alors que dans le monde qui se globalise, les cultures ne peuvent survivre qu'en s'affrontant entre elles, l'humanisme universaliste des francs-maçons postule à l'unité du genre humain, au-delà des diversités, et veut établir l'égalité dans ce qui importe à tous, la justice, l'instruction, la santé. C'est notamment pour cela qu'il défend une éthique de séparation rigoureuse entre la loi commune, qui ne se réfère à aucune religion pour pouvoir s'imposer à l'ensemble des citoyens, protège l'espace social de la pression envahissante de tous les groupes religieux ou communautaires, afin qu'il puisse demeurer un lieu d'expression libre des convictions de chacun et de tous les droits de l'homme. À la différence et interdit de la diversité qui est l'égalité dans un projet collectif d'union, de progrès et d'émancipation. Depuis leurs origines, les francs-maçons sont des militants de l'universel. Universel, cette fraternité fondée sur la liberté est aussi un effort qui exprime un lien. Les humains sont interdépendants entre eux et avec tout ce qui les entoure. Rien n'est solitaire, tout est solidaire, disait encore Victor Hugo. Mais une vague déferlante de droits individuels submerge la société depuis plusieurs décennies, emportant toutes les valeurs morales collectives sur leur passage. L'individualisme consumériste qu'elle promeut met à mal la notion même de solidarité. L'idée même d'un droit social, d'une protection sociale, sont méthodiquement détricotées sous nos yeux et le travail au centre de notre démarche initiatique et de l'organisation sociale, au cœur de toute aspiration à un progrès collectif,
le travail fait défaut dans une société de plus en plus inégalitaire. Les francs-maçons, défenseurs de l'égalité, s'engagent pour la réduction de toutes les inégalités sociales, y compris, bien sûr, entre les hommes et les femmes. Le post-modernisme de la fin du XXe siècle rejetait l'humanisme des Lumières. Aujourd'hui, les développements techniques de la science semblent menacer la nature humaine elle-même. La société numérique, l'intelligence artificielle, le transhumanisme exigent de nouveaux engagements humanistes. Les francs-maçons, mainteneurs de l'humanisme, doivent être capables de penser le progrès à partir de leur conception de l'homme et de dire ce qui est souhaitable et ce qui ne l'est pas. La chaîne d'union qui nous lie dans le temps comme dans l'espace est l'expression rituelle d'une solidarité essentielle qui nous engage en conscience vis-à-vis des générations futures. Enfin, Goya nous avait prévenu, le sommeil de la raison engendre des monstres. Et le siècle s'ouvre en effet sur d'effrayantes perspectives. Des mouvements politiques, des résurgences de masse comme les mouvements évangéliques, l'offensive planétaire des mouvements islamistes, le prosélytisme des religions sur les positions les plus conservatrices et les plus violentes, des contestations radicales de la science et du progrès, comme les mouvements anti-évolutionnistes, viennent mettre en danger toutes les fragiles conquêtes de la raison, au nombre desquelles les équilibres démocratiques sont les plus vulnérables. Or, si les francs-maçons travaillent avec des outils symboliques, ils le font toujours à la lumière de la raison. C'est du triomphe de la raison humaine qu'ils attendent un monde meilleur, et c'est dans ce but qu'ils se mobilisent. On constate aujourd'hui que nos loges suscitent un intérêt accru et renouvelé, ce qui semble indiquer que face aux nouveaux défi de notre temps, l'éthique, la spiritualité et la méthode maçonnique restent perçues comme une approche ou des approches pertinentes et fécondes. Comment l'expliquer? Je serais tenté d'y voir trois raisons principales. La première, c'est qu'il est devenu quasiment impossible de penser une autre société que celle que nous avons tous le sentiment de subir. Le progrès est dénoncé comme une illusion, soumis à l'incertitude et aux menaces. Le futur est inconcevable et on peine à donner un sens au présent. Dans cette impasse, la loge maçonnique semble encore être perçue comme un lieu de projet. La deuxième raison, c'est que grâce au retrait ou à l'extériorité qui la constitue, la loge maçonnique reste capable de s'en tenir à la radicalité du point de vue, ce qui lui permet sans doute de préserver l'espoir qu'un dépassement du réel est toujours possible à penser. La maçonnerie peut aider, par exemple, à concevoir un monde où le désir de spiritualité pourrait enfin être délivré de la nécessité d'appartenance. Enfin, la troisième raison, me semble-t-il, c'est qu'on continue à créditer la franc-maçonnerie de la conviction forte que les hommes inventent leur avenir, que l'histoire n'est pas terminée et qu'elle n'a pas de fin, à l'image du chantier mythique des francs-maçons qui, chacun le sait, est à jamais inachevé. Au milieu du désordre globalisé, avec le crépuscule des grandes utopies collectives, la crise de l'État-providence, l'échec du politique, les défis écologiques, on voit émerger l'idée qu'il n'est plus de changement social ou politique qui ne passe par une transformation des comportements et un décentrement des points de vue. Il se trouve que c'est à cela précisément que travaillent nos loges. Aujourd'hui comme hier,
Les francs-maçons cherchent le perfectionnement de soi, l'éveil de la conscience, des réponses à la question du sens, et ils s'intègrent dans une continuité spirituelle en prenant conscience de la solidarité universelle. Aujourd'hui comme hier, dans le même mouvement, avec leurs outils symboliques et leurs méthodes, ils réfléchissent au problème de la vie collective et participent à la vie publique. Aujourd'hui plus qu'hier, la question de l'action paraît difficile. Comment faire levier ? Depuis ses origines nobles et bourgeoises, la franc-maçonnerie s'est considérablement ouverte. Elle doit pourtant le faire davantage si elle veut diffuser le sens de ses symboles, de ses valeurs, de ses engagements dans toutes les couches de la société. Son rayonnement est avant tout celui de chaque franc-maçon dans le cadre de sa vie sociale, de son environnement professionnel, dans des groupes associatifs, humanitaires, politiques, dans l'appareil d'État. Mais l'éloge montrer le public et débattre avec lui. Avec ses outils traditionnels de laboratoire de société, laboratoire du lien social avec une ambition d'universalité, les francs-maçons du Grand Orient de France continueront de faire dialoguer entre eux, dans les loges et au dehors, l'homme de tous les temps immergé de son temps, pleinement engagé dans l'histoire. J'ai dit. Libertà, uguagliato, l'illuminismo, la rivoluzione americana e anche la rivoluzione francese. Bene, la massoneria, nata pochi decenni prima, ne farà la propria bandiera per sempre. Ma oggi, qual è secondo i massoni? Je vais tout de suite. C'est une question qui est née d'une curiosité de frères francs-maçons. Ces notions deviennent célèbres françaises. La parle toujours de ces trois concepts selon les francs-maçons. Merci, on ne l'aurait pas posé. Merci de l'avoir. Alors, liberté, égalité, fraternité, c'est effectivement le triptyque républicain et c'est toujours aujourd'hui la devise de la franc-maçonnerie française. E fratellanza, effettivamente questo è il trittico d'origine, ma ancora oggi è il motto della massoneria francese. Ce sont des notions qui restent drammatiquement d'actualité, la liberté. La liberté, nous avons la chance, nous le pensons en tout cas, de vivre dans des pays libres. Mais près de nous, en Europe, il y a des pays qui n'ont pas le même degré de liberté. Je pense, pour ne parler que des francs-maçons, à la Hongrie, à la Pologne, voire à la Turquie. Je ne parle même pas, bien évidemment, et là au-delà de la maçonnerie, de pays comme la Corée du Nord. La liberté reste une valeur essentielle, qui est une valeur de combat pour laquelle les francs-maçons et l'ensemble des dirigeants doivent en permanence lutter de façon à l'accorder à l'ensemble de la population. Queste nozioni sono drammaticamente di attualità. Prendiamo la libertà. Abbiamo la fortuna di vivere in paesi liberi, o almeno così pensiamo. Però anche in Europa, e penso in particolare per la massoneria, non viviamo tutti in paesi che hanno lo stesso grado di libertà. Pensiamo all'Ungheria, pensiamo alla Polonia, alla Turchia o al di fuori dell'Europa. Non pensiamo neanche alla Corea del Nord. La libertà è un valore essenziale, un valore per cui i massoni combattono affinché tutta la popolazione possa goderne. L'égalité. L'égalité ne peut d'abord se concevoir, bien évidemment, que dans un
espace où la liberté existe. L'égalité, c'est la même chose pour tous. Les hommes, les femmes, il y a là aussi de nombreux pays dans lesquels cette égalité est loin d'exister. Pensons à certains pays où, il y a peu encore, les femmes ne pouvaient même pas conduire un véhicule. Donc l'égalité, c'est très important, c'est aussi important vis-à-vis d'un certain nombre de minorités, minorités par leur couleur, par leur religion, par leur appartenance sexuelle. L'égalité, ça reste dans toutes nos sociétés un combat de tous les jours pour que chacun ait les mêmes droits. L'Ouest privilégie la liberté. Ebbene, l'uguaglianza significa la stessa cosa per tutti gli uomini, per tutte le donne. Questa uguaglianza in molti paesi ancora non esiste. Pensiamo soltanto a un paese che nel quale fino a poco fa le donne non potevano guidare l'auto. E l'uguaglianza è fondamentale per le minoranze per motivi di razza, di sessualità, di religione. Quindi il combattimento a favore dell'uguaglianza deve essere una lotta quotidiana affinché tutti possano avere gli stessi diritti. La traduzione c'est pratique parce que ça permet de réfléchir et d'abonder. Donc la fraternité. La fraternité, c'est le vivre ensemble, c'est le respect de l'autre, c'est l'amour de l'autre. C'est une civilisation où chacun respecte l'autre. Justement, dans cette civilisation nouvelle que nous avons, avec ce poids important du numérique, qui n'a jamais, ici, dans cette salle, préféré envoyer sur son téléphone un SMS à son voisin plutôt que d'aller frapper à sa porte pour lui dire le même message? La fraternité, c'est ce combat pour le respect des hommes et des femmes. C'est ce lien social. Dans la crise des gilets jaunes que nous connaissons en France, qui est une crise sociale complexe sur laquelle je ne reviendrai pas, ce que l'on a découvert, c'est que ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés sur des ronds-points pour dialoguer ont retrouvé une vie sociale qu'ils ne connaissaient plus, ont retrouvé un peu ce qui existait dans le passé au bistrot du coin. Et ça, c'est peut-être l'un des points très positifs. C'est le retour d'une forme de fraternité. Et on voit que cette société dans laquelle nous vivons, qui est en manque de repères, a un grand besoin de fraternité. La fratellanza. Fratellanza significa vivere insieme, significa vivere nel rispetto e nell'amore per l'altro. Significa una civiltà in cui ciascuno sappia rispettare l'altro. In questa nuova civiltà digitale in cui siamo oggi, chi di noi non ha preferito mandare un SMS piuttosto che andare a bussare alla porta del vicino di casa per dirgli la stessa cosa che gli ha scritto sul messaggino? Quindi la fratellanza richiede una lotta continua per il rispetto degli uomini e della donna, per creare dei legami sociali. In questa crisi dei gilets jaunes, di cui si è tanto parlato e sulla quale non tornerò, questi uomini e queste donne che hanno preso l'abitudine di incontrarsi in degli incroci lungo le strade per parlare, scambiarsi delle idee, in fondo hanno ritrovato una sorta di vita sociale, quella che una volta si svolgeva al caffè e sotto casa, ed è stato forse un aspetto positivo di questa crisi, una sorta di ritorno alla fratellanza. Credo che le nostre società abbiano estremo bisogno di fratellanza in questo momento in cui manchiamo di punti di riferimento. Sì. Juste pour terminer sur votre question, bien évidemment, liberté, égalité, fraternité restent notre triptyque, mais souvent, au Grand Orient de France, nous ajoutons encore deux mots derrière liberté, égalité, fraternité, c'est laïcité et solidarité.
Et ça, c'est très important parce que la laïcité, c'est la liberté absolue de conscience et la solidarité, c'est la mise en application de la fraternité. Libertà, uguaglianza e fratellanza rappresentano effettivamente il nostro trittico, però nel Grande Oriente di Francia aggiungiamo due altri termini a questi primi tre. Gli altri termini sono la laicità e la solidarietà, quanto realizzazione concreta della fratellanza. Le parole anche una certa preoccupazione. L'Europa di fatto è sotto attacco. Parliamo degli inglesi che se ne vanno, i nazionalismi di diversi paesi che minacciano chiaramente l'unità europea. Bene, i massoni, sotto, parliamo di storia, l'aggressione nazista e fascista, hanno sognato e contribuito a costruire l'Europa. Cosa pensano oggi i massoni di fare in questa situazione? Come j'ai pu parole une certaine préoccupation, et ce qui m'amène à vous poser la question suivante. L'Europe actuellement est attaquée, les Anglais la quittent et les nationalistes des différents pays la menacent explicitement. Je reviens maintenant à l'histoire et pour dire que pendant les attaques nazies et fascistes, les francs-maçons ont rêvé, contribué à construire l'Europe. Eh bien, que pense faire aujourd'hui les francs-maçons dans cette situation? Que pensent-ils faire pour l'Europe, j'entends? Alors d'abord, la partie historique de votre question. Effectivement, et vous avez raison, il faut toujours, comme je l'ai fait dans mon discours tout à l'heure, revenir à une certaine connaissance historique des choses. L'Europe a été créée après la guerre. La Deuxième Guerre mondiale qui a déchiré cette Europe de façon très dure,